Mélanie Gillet, vous allez présenter Linken Ball dans le Quintet lundi à Clairefontaine. La dernière fois, c'était à réclamer Henri à Auteuil. Qu'est-ce qu'il faut penser de sa course? À Auteuil, il s'est fait mal dès la première haie, donc on ne pouvait pas trop juger la course d'Auteuil. D'accord. Il a mal sauté la première haie, il est sorti boiteux, il avait mal à l'épaule. D'accord. Voilà, il a mis, je sais pas, 3-4 jours derrière. Sur le coup, il est vraiment sorti très très boiteux parce que on pensait même à une fracture. D'accord. Et donc voilà, il a mis quelques jours à s'en remettre et il est de nouveau sur pied. Donc du coup, là, vous avez pu l'entraîner normalement depuis sa dernière course? Ouais, il a eu 8 jours tranquilles, mais après, ouais. D'accord. Alors, par contre, il a l'habitude de courir dans des catégories moins relevées. Vous auriez certainement préféré le voir dans la deuxième épreuve. Exactement. Et qu'est-ce que vous en pensez? Du coup, alors, c'est vraiment trop compliqué pour lui en première épreuve? Je vais vous dire sincèrement, je pensais tellement qu'il serait en deuxième épreuve, j'ai pas fait le papier du haut du tableau, donc... D'accord. Voilà. Et du coup, là, ça vous paraît... voilà, vous êtes déçu de le voir avec... Ouais. Je vais pas vous mentir. Quels sont ses atouts, autrement? Le bon terrain, Clairefontaine, est-ce que c'est des paramètres qui peuvent lui convenir? Oui, bah, après, il a tout fait un peu... Il n'est pas facile à juger comme cheval parce qu'il a souvent des problèmes de santé. Si c'est pas un tendon, c'est les ulcères. Si c'est pas les ulcères, c'est l'épaule. Voilà, donc il n'est pas facile à juger. Il a fait un peu tout. Il a fait Angers, terrain défoncé lourd. Il a fait Durtal gagner l'année dernière. Il a gagné tout seul. Bon, c'était pas un gros lot, mais ça n'empêche que. Donc il est pas évident à juger parce quand il est bien en forme, il a eu live aussi et du mal à localiser. Enfin, ça n'a pas été évident. C'est pour ça qu'il a très peu couru. Il a souvent couru à bon escient, sauf à Pau. Mais à Pau, quand il est rentré, on s'est rendu compte qu'il y avait Lyme. Alors voilà, il n'est pas facile à juger, quoi. Mais en ce moment, il vous paraît bien, autrement. Oui, en ce moment, il est bien. D'accord. Ouais. Donc on peut dire qu'il profitera de sa forme et puis du fait qu'il s'adapte un petit peu à tous les hippodromes, quoi. Oui, je pense pas que ce soit problématique. Voilà, après en première épreuve, là, je sais pas s'il a sa place. Voilà, ouais, c'est ça, c'est le gros point d'interrogation. Voilà, je peux pas vous dire le contraire. Là, je sais pas quoi.